Monsieur Zemmour, vous avez finalement réussi à obtenir le nombre requis de parrainage présidentiel en dépassant même les 500 signatures, puisque vous en avez totalisé 741, mais nettement derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, vos rivaux politiques à abattre. Je ne doutais point que vous dépasseriez la première barre de la course à l'Élysée. En revanche, sans Paris et Paris, mon pari était et demeure que vous ne serez pas président des Français. Je persiste et signe, car j'en donnerai progressivement les diverses raisons tout le long de mes communications, à moins que la France ne soit plus la France de sa devise nationale à trois valeurs associées et que les Français ne soient majoritairement les Français que le monde connaissait, celle de la France libre gaullienne et de l'après Seconde Guerre mondiale malgré tous les bouleversements politico-idéologiques, culturels et socio-économiques survenus en Europe depuis la chute du mur de Berlin. Néanmoins, vous laisse déjà signaler, c'est pour contribuer le plus modestement à faire limiter moralement les frais intellectuels et les méfaits de vos idées sur des esprits idéologiquement, politiquement ou spirituellement frêles parmi la jeunesse occidentale moins avisée sur l'islam qu'on l'aurait souhaité, ou trop méfiant, pour ne pas dire peu tolérant à son égard. Et en vue de participer concrètement à cette mission aussi idéologique que spirituelle, autant que faire se peut, ce sont les fondations de votre édifice intellectuel m'intéressent, et dont je tenterai de dévoiler les lacunes et la fragilité. Des fondations que je qualifie de superficielles, à l'instar d'autres personnes qui partagent ma vision ou que je rejoins en la matière, pour ceux d'entre eux qui m'y ont précédé. Oui, des fondations superficielles. Car si l'on devait comparer le terrain stable dans lequel se fixe l'éducation, l'instruction et la construction mentale individuelle des êtres, à la pensée humaine universelle, les bases fondatrices des vôtres, Soutenant votre édifice intellectuel, que j'assimilerais même à un gratte-ciel, ressemblerait alors à des fondations superficielles, terminologie scientifique dans le domaine de l'architecture, que vous êtes d'ailleurs censé connaître. Néanmoins, je vous en rappelle la définition. Les fondations superficielles sont un type de fondation utilisé lors d'une construction sur un terrain stable et qui, contrairement aux fondations profondes et semi-profondes, ne s'enfonce que légèrement dans le sol. Elles prennent le plus souvent la forme de plots de fondation ou d'une semelle. Cette comparaison métaphorique que je suggère entre les fondations superficielles d'un bâtiment et celles de votre construction intellectuelle intégrale me semble aussi appropriée que pertinente à votre image mentale globale celle d'eric zemmour de maintenant candidat à la présidence de la république française ancien journaliste chroniqueur formé et montant du tas mais constituant un véritable cas Parler donc de vos fondations intellectuelles superficielles, comme expliqué, est fondamentalement nécessaire pour mieux vous approcher psychologiquement dans l'espoir de vous décrypter idéologiquement et philosophiquement. Ainsi, votre tour d'ivoire idéologique, constituant le sommet de votre édifice intellectuel, est manifestement attirante sans aucun doute fascinante aux yeux de vos partisans et vos admirateurs, mais elle est chancelante d'abord aux yeux de vos critiqueurs et vos opposants français, et pour des immenses catégories d'intellectuels étrangers, différentes dans leur spécialité ou leur discipline, notamment chez les arabo-afro-musulmans dont je fais partie. En fait, votre tour d'ivoire idéologique est en péril, car périlleuse. Ou oh, périlleuse est-elle en étant en péril Périlleuse pour vous-même avant tout, puisque vous seriez le premier en chuter de sa cime au cas où elle s'écroulait. Car voyez-vous, monsieur Zemmour, aussi longue et haute que soit la taille d'un gratte-ciel, à supposer que votre édifice intellectuel y soit similaire aussi large et étendu que soit également sa circonférence aussi vaste que soit sa superficie totale et aussi magnifique que puisse être sa configuration et sa façade c'est toujours sur ses fondations et sa base que reposeront sa solidité et sa longévité et ce ne peut être le cas de votre édifice intellectuel car ces fondations, et je vous le répète, sont superficielles. C'est-à-dire, pour reprendre notre définition métaphorique, que, contrairement aux fondements profonds et semi profonds du savoir des intelligents, raisonnables et pondérés, votre architecture spirituelle, où s'associe d'ailleurs votre culture, votre mode de pensée et votre style, ne s'enfonce que légèrement dans le sol de la connaissance universelle des hommes. À la lumière de ce qui précède, l'on ne pourrait mieux vous comprendre. Vous, l'homme et le candidat à la présidence de la République, vous, Émourdière et d'aujourd'hui, votre psychologie et votre philosophie, ainsi que ce que vous pensez et ce que vous dites, autant que ce que vous voyez et ce que vous croyez, qu'à travers les fondations superficielles de votre construction intellectuelle. Or, que pensent d'abord l'élite intellectuelle et les vétérans politiques français des fondements de votre édifice intellectuel Je ne trouverai mieux qu'un homme parmi ceux qui vous connaissent le plus pour avoir été le premier à vous côtoyer et se frotter à vous, très tôt d'ailleurs, au début même de votre carrière journalistique. À un moment où peu de Français vous connaissaient, à peine commençaient à vous découvrir, peu à peu. Cet homme là s'appelle Christophe Barbier, ce célèbre journaliste français qui vous a accompagné tout le long de votre carrière journalistique. Je le considérerai comme le porte-parole de vos critiqueurs les plus objectifs, en n'étant ni un détracteur haineux à votre rencontre, car c'est un ami de longue date, vous le savez, ni non plus un flatteur amoureux à qui à vous, parce qu'observateur impartial depuis toujours envers vous. Il mérite donc à mes yeux d'être l'échantillon de mon échantillonnage à évaluer globalement votre personnalité à l'intérieur de votre gratte-ciel mental en inspectant sa structure. Ses semelles et ses piliers. Alors écoutons-le attentivement. Il a été bon, c'est un, un personnage. Moi, j'ai débattu avec lui beaucoup. J'ai créé Ça se dispute il y a sur, longtemps maintenant. Sur C'était c'était en 2002 ou 2003. Euh, Eric, c'est un personnage. Euh, on peut l'aimer ou pas l'aimer, on peut le, le trouver détestable ou pas. C'est un personnage. Il a une culture. Vous avez une culture, je dirais, remarquable. Il a un courage. Vous avez un courage, je dirais, admirable. Et il a un style. Vous avez un style. Je dirais formidable. Ces attributs et ces qualificatifs vous satisfont-ils Cela devrait l'être, non Mais laissons Monsieur Barbier continuer son opinion sur vous en allant jusqu'au bout. Donc culture, courage, style, disait-il. Et donc évidemment tout ce qu'aiment, tout ce qu les médias. Et donc il y a beaucoup d'interlocuteurs qui y vont. Parfois en se disant je vais me payer Zemmour, ça marche. Parfois ça marche pas. Et puis souvent en se disant je vais renforcer mon argumentation. En la frottant à celle d'Éric Zemmour. Et ces débats deviennent intéressants parce que c'est le choc de deux constructions intellectuelles. Parce que c'est le choc de deux constructions intellectuelles. Vous avez bien entendu, le choc de deux constructions intellectuelles, dont la vôtre, comme je l'ai défini, repose sur des fondations superficielles, des fondations que de Christophe Barbier est en train de nous expliquer en connaissance de cause. J'y ajouterai que le choc de votre construction intellectuelle à d'autres architectures culturelles lors de vos débats est souvent aggravé par des excès de zèle dans la finesse d'une argumentation d'hostilité, parfois très discutable d'ailleurs, ou par excès de liberté d'expression dans l'arrogance, comme ce choc entre deux voitures causé par un excès de vitesse défiant un panneau de stop. Regardez l'image devant vous. La voiture coupable de ce délit de la circulation représente métaphoriquement la vôtre. En couleur blanche, dont vous l'avez teinté, suggérant faussement l'innocence intellectuelle ou la blancheur culturelle par rapport à vos adversaires politico-idéologiques ou même à vos interlocuteurs les plus proches de vous philosophiquement, surtout sur la thématique de la civilisation ou la problématique de la guerre civile en France, pour n'en citer que Michel Enfray, que vous n'épargnez pourtant pas dans vos attaques parfois maladroites, et je vous en donnerai tant d'exemples. Cet accident de voiture de transport dont vous êtes allégoriquement responsable représente des incidents de constructions intellectuelles que vous provoquez dans les face-à-face -face sur les plateaux de la télévision française. Comme si celui qui est en face de vous vous irrite constamment en le voyant toujours en rouge, comme couleur du danger, du sang. Mais au lieu de vous rappeler un feu rouge à ne pas brûler par respect du code de la route, vous foncez au contraire furieusement, tel un taureau envers un torero en le considérant un ennemi qui doit vous abattre. Comme si le plateau d'une télévision était une arène, le débat une corrida et les téléspectateurs des spectateurs remplissant les gradins. Voilà ce qui serait votre imagination à la plupart de vos sorties, de vos apparitions sur scène, je veux dire devant l'opinion publique sur les ondes ou sur les écrans. L'image de choc de ces deux voitures traduirait celle que vous vous faites de vous-même, à l'égard de vos rivaux idéologiques et même intellectuels, dès lors que ces derniers n'appartenaient pas à la civilisation judéo-chrétienne et n'étaient pas de souche française, voire européenne. La voiture blanche symboliserait, dans votre égocentrisme mental, votre complexe de supériorité envers les arabo-afro-musulmans en particulier, que vous voyez inférieur à vous en termes de civilisation, moins intelligent et productif que les Européens, à commencer par les Français de souche et de nom. Cette voiture blanche, vous vous y trouveriez mieux psychologiquement par allégorie, par rapport à l'autre véhicule rouge, moins grande, moins robuste, moins élégante, moins confortable, etc. etc. et de type Peugeot par-dessus le marché. Celle-ci, c'est le type purement français, avec ses qualificatifs précités dont vous vous considérez un exemple modèle. Tandis que l'autre, de type citoyen, quatre chevaux est évidemment bien en dessous de la vôtre, bien que pourtant made in France. Ainsi, représenterait-elle à vos yeux les citoyens français d'origine arabe, africain ou de confession islamique Voilà pourquoi est-elle rouge à vos yeux, rouge dans le sens du danger du sang, soit du terrorisme. Autrement dit, revenons à Christophe Barbier. Le problème d'Eric. Ah, le problème d'Eric. Écoutez maintenant vos grands défauts. Le revers de la médaille. Le problème d'Eric, c'est qu'il est devenu un peu inaccessible à l'argumentation de l'autre. Il ne changera jamais sa façon de penser, même s'il a écouté l'autre. Cette affirmation de Barbier signifie tout simplement deux mots en matière de dialogue, à savoir entêtement et égocentrisme. Soit l'obstination dans son opinion en se donnant raison, même dans la déraison. Attitude qu'explique le deuxième terme, qui est l'égocentrisme, qui vous fait croire que votre intelligence est supérieure à celle de vos rivaux et vos interlocuteurs. J'y reviendrai avec des preuves concrètes. Voilà pourquoi vous êtes effectivement inaccessible à l'argumentation de l'autre, sans jamais vouloir changer votre façon de penser, même si vous avez écouté l'autre. J'apporterai seulement une précision à cette interprétation de Barbier, estimant que la notion d'écouter qu'il vous attribue face à autrui est plus ou moins inappropriée, parce que le verbe écouter devrait aboutir normalement à, sinon comprendre, du moins respecter le point de vue opposé, sans dénigrement, sans insulte et sans moquerie. Or, ce n'est pas ce que l'on observe généralement chez vous, surtout quand celui qui est en face de vous est un rival étranger, non occidental, non européen et surtout non français, soit un immigré selon votre définition. Ou encore quand celui qui vous contredit est un musulman. Car c'est à partir de vos fondations superficielles que vous entendez le monde sans forcément l'écouter que vous voyez le monde. Sans obligatoirement le regarder, que vous jugez les autres sans pour autant les comprendre, à commencer par certaines catégories sociales parmi vos propres concitoyens. Continuons avec Christophe Barbier. Puis son autre problème, c'est les raccourcis. C'est-à-dire qu'il fait des raccourcis historiques ou des raccourcis de raisonnement où d'un seul coup, ses supporters disent Ah ben oui, il a raison. Mais si on refait le raisonnement, on s'aperçoit qu'il a sauté des étapes et là, il est fragile, et là, il est fragile, et là, il est fragile fragilité par le raccourcissement et le saut des étapes. Ainsi donc, vous mettez en œuvre la technique du raccourcissement dans vos discours et vos explications lors de vos discussions, en recourant à des abrégements d'analyse à la faveur d'épisodes, d'événements ou d'idées que vous apprenez par cœur dans le sens de vos dessins ou pour soutenir votre thèse, et vous en brûlez pourtant des étapes essentielles d'une relation, d'un processus, d'un système, d'une vérité ou d'une réalité qu'il s'agisse d'histoire, de religion, de politique, de philosophie, de culture ou tout autre domaine de la vie humaine, matérielle ou spirituelle qu'il soit. Et voilà ce qui traduit votre fragilité. Et d'où provient votre fragilité intellectuelle, monsieur Zemmour Eh bien, elle provient tout simplement de votre faiblesse de structure, malgré l'abondance de votre culture. C'est-à-dire une fragilité dans les fondations superficielles de votre construction intellectuelle, ou de votre édifice intellectuel, si vous aimez mieux. telle qu'une faiblesse dans les fondations superficielles d'une construction, se traduisant par des fissures à l'intérieur et à l'extérieur de ses murs, la faiblesse des fondations superficielles d'une construction intellectuelle apparaissent également dans ses parois, que représente la fragilité scientifique et culturelle d'une personne, dont les principaux signes résident dans un recroqueviment mental, où, s'estimant meilleur que les autres, ou que la plupart de ses rivaux, autant que ses collègues, on se blottit dans ses connaissances ou dans sa tour d'ivoire face à l'univers culturel. Et moi, c'est ce que je lui reproche, c'est de procéder par raccourci et de ne pas assez euh, s'enrichir de l'argumentation des autres. Donc non seulement vous procédez par raccourci, l'une des techniques principales de votre méthode de débat, mais vous vous montrez encore sourd devant la dialectique des autres, à commencer par celle des musulmans, des arabes et des Africains, fussent-ils des Français comme vous D'autant que vous êtes aussi sourd envers les Français de souche pure, plus Français que vous, vous, fils de parents immigrés en France. Dites donc, M. Zemmour, comment pourriez-vous comprendre vraiment l'islam authentique et saisir le message et les préceptes du Coran en vous bouchant les oreilles et l'esprit. C'est finalement les fissures de vos parois culturelles dans votre édifice intellectuel, causées par la fragilité de ces fondations superficielles, qui, affaiblissant en conséquence votre tour idéologique, soit votre tour d'ivoire, vous empêche de connaître l'islam pour pouvoir le respecter. Cela dit, vos défauts psychologiques et intellectuels tels que décrits par Christophe Barbier traduisent ainsi les fissures culturelles précitées dont vous souffrez, en essayant de les camoufler. Monsieur Zemmour, souvent, vous brûlez des étapes essentielles dans vos dialectiques, vos développements, vos analyses, vos relations. Résultat, vos jugements apparaissent parfois mal fondés. Faussement ou faiblement soutenu, vos évaluations et vos interprétations tronquées, vos données ou vos chiffres erronés. Monsieur Zemmour, voici une question simple mais raisonnable. Que vale une culture aussi remarquable soit-elle Un courage si admirable qu'il soit, un style formidable, si tous cumulés, non seulement on ne vous permettent pas de gagner l'entendement général sur des réalités essentielles et des questions existentielles, mais vous rendent également incapables de tolérer ceux qui n'ont pas la même religion que vous, ni la même couleur et la même culture d'origine. À la lumière du contenu de cette vidéo, chapitre premier fondamental dans ma lettre ouverte, j'entamerai à partir de ma prochaine communication, dans deux jours, la présentation des preuves concrètes par des images, des sons et des gestes, point par point, jusqu'au dernier point. Sur les failles culturelles de votre construction intellectuelle qui vous empêchent de bien connaître et apprécier l'islam. À la prochaine vidéo, si Dieu le veut, je l'espère.